Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis Jean-Marie de Sainte-Marie des Studios Tatou Mandarine Je reviens de vacances, j'ai une grosse, grosse patate. D'ailleurs à ce sujet, euh, j'ai pas encore répondu à tous les mails euh, que vous m'avez envoyés. Laissez-moi un peu de temps, encore un peu de patience, s'il vous plaît. Et, et puis là, on y va. Bon, mon train. Euh, vraiment, j'ai une, ah, j'ai de grosses, grosses patates. D'autant plus qu'aujourd'hui, je voulais vous, vous présenter un, un sujet, enfin une petite astuce d'une entre guillemets mes aventures qui, qui m'est arrivé donc un truc qui, qui peut vraiment rendre de gros gros service, c'est du pur technique euh, d'ailleurs au passage, cette petite vidéo, euh, et, et je, je vous fournis avec une, une ressource qui, qui reprend ça pas à pas euh, si ça vous intéresse, bah, vous n'hésitez pas comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait vous rentrez votre mail euh, dans le lien c'est juste en descriptif, et vous y aurez accès ainsi que plein d'autres, plein d'autres d'ailleurs de plus en plus, à tel point qu'il va falloir ranger un petit peu ma chambre, enfin notre chambre puisque c'est à nous tous qu'est ce que je voulais dire oui donc ce que je voulais vous présenter aujourd'hui c'était suite à un petit problème que j'avais rencontré sur un mix notamment sur une voix avec un s parti, particulier euh, j'avais un s était hyper violent à un moment donné sur euh, sur le titre. Euh, alors bah, qu'est-ce qu'on fait bah, Comme tout le monde, on met un DSR, on travaille avec ça. Mais le problème que, que, que je rencontrais dans ce cas de figure bien précis, c'est quand je mettais le DSR, bon je, je, forcément il faisait son boulot, mais comme sa bande de travail est un peu large, forcément ça m'allait pas parce qu'autour euh, ça faisait un truc qui, qui dans ce cas de figure en tout cas qui était qui était un petit peu bizarre euh, la, 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 il me baissait bien ma fréquence mais de façon trop large avec un Q qui était beaucoup trop large alors bon on aurait pu utiliser autre chose on aurait pu utiliser un compresseur multi bande, se dire tiens c'est un l'endroit je fais pareil mais là aussi pas de pas, pas, pas de bol sur ce ce, ce cas d'école enfin sur ce cas là Bande trop large, ça m'allait pas Alors, l'oreille, c'était pas, c'était pas terrible. Après, il y a d'autres solutions, comme on peut voir à l'écran ici, par exemple, une solution qui est assez courante, qui marche du feu de Dieu, c'est d'utiliser, alors ici, j'ai un compresseur, euh, qui est chez Waves, le, le célèbreissime c1 euh, qui a une fonction sa chaine ici donc on peut effectivement lui demander de faire une compression euh, lambda avec tous les paramètres qu'on veut à un certain endroits euh, a priori entre 6 6 7 7 et demi en fonction c'est une homme une femme donc on peut caler sa fréquence et jouer euh, à ce niveau là enfin euh, faire le boulot de de, de, de on a un paramètre qui est ici qui va nous permettre de, de de, de peaufiner tout ça mais là encore on, on se retrouve avec une bande beaucoup trop large en tout cas dans ce cas qui me posait problème c'était beaucoup trop large et eh ben comment faire et eh ben là j'ai dit ben j'ai pas l'outil alors si j'ai pas l'outil euh, soit je laisse tomber c'est pas le genre de la maison euh, ou alors je me fabrique l'outil qui va bien alors pour ça euh, voici la marche à suivre je me dis je vais me faire euh, l'outil qui va bien qui va me baisser donc euh, une fréquence bien définie, bien définie pardon avec un Q, euh, une valeur Q je voulais très 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 étroite, un instant t à ce moment-là, boum je baisse et je remets parce que le reste de la chanson il est hors de question euh, de, de couper la fréquence, on est bien d'accord, c'est vraiment à cet instant t Hop, je veux couper le, je veux couper le, le, la fréquence qui pose problème. C'est le principe du DSR. Du, du -E euh, donc voilà. Ici à l'écran, euh, qu'est-ce que j'ai J'ai une piste voix. Imaginons un instant que euh, à cet endroit, ici, euh, j'ai un un, un, un un voilà le truc qui va pas euh, et c'est à une fréquence donnée, je je veux faire l'opération. Alors voilà ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, j'ai commencé par faire une copie conforme. Euh, de, de, de cette piste qui est ici. Alors, à quoi elle va servir Donc j'ai deux fois la piste voix. Sur ma première piste, là-haut, ça va être euh, ma, ma piste originelle sur laquelle je vais faire mon DSH, très bien, notamment, on va dire, pour l'exemple, sur cette petite zone ici. La deuxième piste que j'ai créée, ça va être une piste de contrôle. C'est la, la piste qui va contrôler euh, l'opération le, le, de, 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 de baisse de fréquence. Alors, on va voir que pour ça, j'utilise tout simplement deux IQ. Ça va suffire euh, tout seul. Très bien. Donc, ce qu'il faut bien retenir, en bas, j'ai un contrôleur. En haut, j'ai la piste originale, celle que je garderai ensuite sur euh, sur mon mix pour la suite des opérations. Très bien. Donc la première chose à faire, euh, on va paramétrer notre piste contrôleur. Bon, donc, on a dit que c'est sur cette petite zone là que je veux contrôler. Donc déjà, ce que je peux faire, je vais réduire tout ça. Alors, je peux bien évidemment. Euh, si j'ai plusieurs endroits, avoir plusieurs petits buts plusieurs petits bouts, pardon, mais euh, moi je vous suggère à ce moment-là de, de couper comme ça. Bah, euh, déjà, ça, 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 ça évite d'avoir des trucs inutiles d'une part, euh, d'avoir des travaux, enfin le l'IQ le, 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 on va voir, le faire travailler les endroits où on ne veut pas qu'ils travaillent, et visuellement c'est beaucoup plus simple. Ça, en tout cas, c'est plus parlant. Donc, qu'est-ce que je vais faire Eh bien, écoutez, c'est pas compliqué. Sur, ce, sur cette piste de, de contrôleur, je vais mettre un IQ qui est ici, tout bêtement. Et qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, c'est ce que j'ai ici. Je vais aller chercher la fréquence qui me pose problème. Donc, ici, j'ai pris comme exemple 8, 000, 8, 000, enfin 8 kHz et demi, par exemple. Ça pourrait être autre chose. Et là-dessus, je vais commencer à travailler mon IQ. Euh, le plus fin le plus fin possible. Alors, quand vous voyez que hop euh, vous êtes parti trop loin, hop vous remettez. Donc là c'est vraiment de la finesse. Ça va être la partie euh, euh, contrôleur. Donc prenez votre temps. Euh, il faut pas, il faut pas, il faut pas précipiter les choses. Hein. Ça c'est primordial. Euh, si vous avez possibilité, hein, aidez vous d'un d'un listen, c'est-à-dire on isole la fréquence et on n'entend en, que ça. Euh, si vous êtes un utilisateur de, de reaper, ça c'est le le RecEQ, euh le RayQ, je vous en parlerai, c'est un outil extrêmement puissant. Euh, voilà, bon, pour l'instant, je, je mets ça de côté. Donc, il va falloir isoler la, la zone qui, 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 sur laquelle je veux faire ma, ma correction. Bien évidemment, euh, c'est que ce, qu uniquement sur cette fréquence-là que je veux jouer. On ne veut pas jouer sur les autres fréquences. Donc, qu'est-ce que je vais faire ben, C'est pas compliqué. Je vais mettre un, un passe haut ou coup bas avec un, une pente qui est extrêmement violente. Hein. Euh, ça, c'est une piste qu'on n'entendra pas à l'oreille. Hein. C'est vraiment un contrôleur. Hein. J'insiste là-dessus. Vous voyez que là, j'ai 120 dB par octave. C'est un truc complètement délirant. Ce qui est vrai d'un côté va l'être de l'autre. Donc, de l'autre côté, pareil, je vais mettre un passe-bas ou coupe-haut. La finalité avec toujours une pente la plus importante possible. Le but du jeu étant ici d'encadrer au mieux euh, la fréquence qui pose problème que je veux baisser à l'instant T où elle arrive. Tout simplement. Très bien. Donc, si je récapitule... J'ai un bel, alors je l'ai mis, vous le mettez à une certaine hauteur, euh, mettez ça, je ne sais pas, moi, 10, 10 dB, 12 dB pour l'instant, euh, ça n'a pas trop d'importance, on, on y revient par la suite. Euh, donc si je récapitule, j'ai mon, mon bel qui cible la fréquence problématique, j'encadre avec un coupe bas, coupe haut, avec une pente euh, la, la plus raide possible, pour vraiment encadrer et n'avoir, quand vous l'écoutez, Uniquement la fréquence qui pose problème. Très bien. Donc, quand c'est finalisé, votre contrôleur est terminé. Qu'est-ce qu'il doit faire ben, Ce contrôleur, maintenant, va devoir contrôler la piste originale. OK. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire Il va falloir envoyer, faire un send. De, de votre piste contrôle alors là ça va dépendre un peu de, de, du logiciel DAO que vous allez utiliser forcément mais vous allez euh, alors c'est ce que j'ai fait ici la piste contrôle la piste 2 envoie son signal vers la piste 1 d'accord comme c'est une piste de contrôle euh, il faut pas que ça parte dans les oreilles donc là dans le cas de, de reaper j'ai désélectionné master Sand, ça m'intéresse pas on est bien d'accord J'envoie ça sur un bus ici qui est 3-4. Bon, là, c'est un bus stéréo. Si c'est une voix, ça pourrait être un bus mono. Ça n'a pas d'importance ici. Euh, J'envoie ça donc sur un nouveau bus 3-4. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est le plugin euh, ici, le REC. Il va falloir que lui envoie son information vient un buste dédié. Euh, alors là, voir en fonction de votre DAO. Si vous avez euh, Reaper, c'est tout simplement ici. Vous voyez, je lui ai dit, bon, j'ai créé mes, mes, mon buste 3-4. Je lui dis, envoie ton information vers 3-4. Bien évidemment, et c'est l'EQ sur la piste originelle qui va recevoir cette information. Très bien. Donc ça, c'est terminé. On n'en parle plus. Maintenant, allons sur notre piste originale ou originelle. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un IQ tout simple. Je vais prendre un bell, qui est ici, le numéro 3, et je vais lui mettre exactement la même fréquence. Ici, pour l'exemple, j'avais 8051 Hz. Ça va être exactement la même fréquence que j'ai ici, que j'ai ici, 8510 Hz. 8051. Bon, vous mettez la, la 8500 Hz. Vous mettez exactement la même chose. Euh, le but du jeu, c'est que ce, 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 ce comment dirais cette partie-là, le qui est noté 3, qui va être en belle. Euh, pour l'instant, je, 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 je laisse tel quel. Donc, il va falloir qu'il réagisse en fonction du signal qu'il reçoit. Alors, si là encore, si jamais vous êtes sous « Reaper, c'est vrai que l'avantage de Reaper c'est que la, la, la gestion de, de sidechain est extrêmement puissante donc ça, ça c'est super c'est super intéressant donc j'ai défini la fréquence qui m'intéresse sur Reaper euh, vous allez ici dans, dans param vous allez dans paramètres, modulation, midi Ling, enfin tout le tatouin et vous allez sélectionner <coughs> excusez-moi, vous allez sélectionner contrôle du signal audio puisqu'ici on fait du sidechain il y a le LFO, il y a, il y a plein plein d'autres trucs. Très bien. On a vu que sur notre EQ de contrôleur, on envoyait ça sur le bus 3-4, par exemple. Eh L'autre EQ, il faut qu'il reçoive bah, de la piste 3-4. C'est ce que j'ai ici. Tu reçois mon petit pépère de la piste 3-4. Très bien. Alors n'oubliez pas toujours si vous êtes sous Reaper euh, dans, dans, via, via cette, ce, ce petit panneau de commande, euh, ben, vous mettez négatif ici puisqu'on va retirer, vous mettez une valeur minimale qui peut être la valeur euh, la plus basse possible, une valeur ma maximale qu'on qu peut très bien laisser, euh, laisser à zéro, vous laissez à 100% dans ce cas de figure, on va voir le reste un petit peu plus loin. Donc euh, quand je suis euh, à ce niveau-là, donc forcément, si je, si je fais un play, alors j'ai fait, un, fait un, une loupe sur la partie qui nous intéresse, on s'aperçoit que, vous voyez, à l'instant T, quand je vais arriver sur cette, euh, cette zone-là, qui va être extrêmement étroite, je vais me retrouver avec euh, une action du contrôleur, du contrôleur du, du, de l'IQ euh, de, cor de correction qui euh, qui, qui va faire son, son boulot. Alors, bien évidemment, euh, si, si vous, vous avez moyen de, de, de régler tout ça, notamment ici, euh, en jouant sur, sur le gain, vous allez pouvoir en mettre plus ou moins, et vous aurez une action plus ou moins violente euh, en, fonction, en fonction du correctif que, que, que vous voulez faire. Voyez, tout simplement. Donc c'est extrêmement précis. L'intérêt c'est qu'on est sur un Q très fin et que la fréquence va être coupée à l'instant t qui nous intéresse. Le reste du temps la fréquence est libérée. Donc on, euh, voilà le titre de la, du petit tuto c'est euh, un DSH chirurgical qui c'est vraiment de la microchirurgie. Donc c'est très très intéressant dans, dans des cas de figure où on se tire une balle avec les outils euh, avec les outils traditionnels. Alors si vous êtes utilisateur de reaper sachez que vous allez retrouver tous ces outils euh, qui sont sur ce petit panneau de contrôle, à savoir le temps d'attaque euh, de ben, en fait on a fabriqué un compresseur, on est bien d'accord, donc on va se retrouver avec un, un temps d'attaque, donc dans ce cas de figure, je le veux, euh, je pourrais le mettre instantané d'ailleurs, hein, 0 millisecondes. Un relâchement bah, qui, qui là ça n'a pas trop d'importance euh, parce que une fois que c'est fait, ça va être fait une fois à un moment donné et plus loin dans, dans, dans la chanson. Donc là, bon, mettez pas un relâchement qui soit vous mettez un petit relâchement, euh, voilà, bon, ça n'a pas trop d'importance dans, dans ce cas de figure. Par contre, au niveau euh, ce qu'on voit là de la, de la réactivité, sachez que vous pouvez ici euh, le corriger ici. Donc là, je suis plutôt violent. Euh, là, je vais aller le réduire. Donc vous avez tout sous la main euh, directement. Vous avez tout le, tout le, tous les paramétrages. Absolument, euh, tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Hein, tout simplement. Donc vous voyez que le c'est très intéressant, moi ça m'avait vraiment dépanné euh, quand, quand j'avais fait ce titre là parce que voilà là j'avais coupé ma fréquence très 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 de façon très étroite donc tout ce qui était au bord n'était pas touché. Je pouvais faire euh, ma, cor ma, mon correction, ma correction même de façon très très violente, mais sur un Q très 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 fin, donc c'était Royal au bas et ça intervenait à un instant T très précis, avant et après... Je laisse je laisse la fréquence ouverte j'ai envie, envie de dire donc c'est super super souple euh, et vous avez au, au niveau des réglages vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez donc n'hésitez pas à utiliser ce, cette petite technique qui qui, qui, qui Vraiment très 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 pratique. Plus ça va, plus je l'utilise moi, hein, en fait, parce que ça va vite et bien. Euh, et ben bah, écoutez, si vous êtes intéressé à ce petit tuto, donc je vous rappelle que j'ai mis une petite ressource qui est jointe si elle vous intéresse. Ben bah, écoutez, vous rentrez votre mail, à moins que ce soit déjà fait, vous rentrez votre mail dans, dans le descriptif qui est juste en dessous. Et puis il n'y a plus qu'à, vous aurez accès à, à tout ce que ce que les studios tatou vous, vous propose. Mais bah, écoutez, j'espère que ce petit tuto euh, vous a intéressé et vous retirera pas mal d'épines à des moments donnés. Moi, ça a été le cas, franchement. Il me reste plus qu'à vous dire bonne compo les amis, faites de bons mix également. Et puis ben moi je vous retrouve très bientôt pour un nouveau petit tuto. J'ai une patate vivre les vacances. Allez, je vous embrasse tous. Ciao, à très bientôt. Bye.